Hello! Salut! Je suis ultra contente de vous retrouver aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé tellement j'ai eu de choses à faire cette semaine et que je suis partie à droite à gauche alors que la dernière vidéo ne remonte qu'à une semaine. Ça fait qu'une semaine que j'ai pas filmé en fait. Il y a eu la visite des lieux des auditions de la Nouvelle Star, il y a eu la visite de la maison de Secret Story, il y a eu Amsterdam, enfin c'était vraiment une semaine très chargée. J'ai tout filmé, j'ai tout mis sur ma chaîne de vlog que je vous mets juste là dans le petit i qui va sortir. Je crois que c'est de ce côté là, à chaque fois je galère à savoir mais il me semble que c'est ce côté là, c'est côté porte. En fait, j'ai coupé mon front sans le faire exprès, je crois. Oh non! Ah, je vais me mettre comme ça. Non, comme ça. Je sais rien. Comme ça. Oui. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la rentrée scolaire. Donc avant de me jeter des tomates, écoutez la suite. Mon but, c'est pas de vous faire flipper ou de vous rappeler que la rentrée, c'est demain. C'est demain. C'est juste de vous détendre à ce propos. Du coup, dans cette vidéo, vous allez retrouver pas mal de petites scénettes un peu mythiques qu'on a l'habitude de vivre en fait pendant les rentrées scolaires. Donc voilà, on se détend, on rigole et voilà, c'est tout. Si jamais vous voulez des conseils sur comment se faire des amis à la rentrée quand on est tout seul, quand on vient d'arriver dans un nouveau collège, dans un nouveau lycée, tout ça, comment se sociabiliser, machin et tout, je vous avais fait une vidéo la semaine dernière, n'importe quoi. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur le sujet et je vous la mets aussi là, le petit i qui va sortir de ce côté-là. Et voilà, j'ai pas trouvé l'utilité d'en faire une seconde cette année vu que j'avais déjà tout dit dans celle-là. Et voilà, donc j'arrête de parler. Je sais, je parle toujours trop durant mes intros, mais je suis très bavarde, voilà. Donc je me tais, on passe à la vidéo et profitez bien. 3ème B, 3ème C, oh, Karine, on est dans la même classe. Les filles, moi je suis où sur la liste? Je me trouve pas. Oh, je suis là, en 3ème B, avec Madame Duchoc en prof principal. Ah non, mais là ma pauvre, en plus d'être toute seule dans ta classe, tu te tapes Madame Duchoc en prof principal. Moi je te dis que ça va être sympa, à ta place je déménagerai tout de suite et je changerai de collège. Pareil que Marie, elle est sortie avec un mec du collège pendant toutes les grandes vacances. Ah non, et par contre je sais pas du tout qui c'est, faut qu'on mène l'enquête. Oh non, on est encore placé par ordre alphabétique, je vais encore m'en trouver à côté de Brian. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, moi je suis à côté de Kevin depuis la primaire et s'il en est là aujourd'hui, c'est sûrement pas grâce à lui, hein. Non mais c'est une blague cet emploi du temps, t'as mis à 18h le vendredi. Ah non mais t'inquiète, hein, moi j'ai juste pris un stylo, je suis venue en touriste. On m'a déjà confisqué mon portable alors que je regardais juste l'heure. Tu peux écrire un petit mot dans mon agenda s'il te plaît? Oh les filles, vous pouvez pas me passer un livre, vous en avez deux, moi j'en ai pas, comme ça vous suivez avec un livre pour deux. Bah je sais pas, ma best friend forever, Tabessa. Non mais elle qui me parle même pas, j'ai vu sur Instagram qu'elle avait passé toutes ses vacances avec la Sarah là. Mais quelle hypocrite! Avec leur photo là en mode best assista sur ma bouée licorne. Non mais ça va 5 minutes. Ah non mais attends, on a monsieur Caloré en maths cette année. J'ai envie de dire que calor. Ah mais monsieur Caloré, il porte bien son nom hein, qui calore. Très sexy. Suis-moi, tu pourrais me passer une paire de ciseaux s'il te plaît? Ça te calcule pas des vacances et dès qu'elle voit que t'es dans sa classe, et ben ça y est, t'es redevenue sa meilleure pote. Non mais oh, y'a pas marqué pigeon ici. Mais c'est quoi la semaine A et la semaine B là? Moi j'ai rien compris. Mais attends, ils étaient pas en couple ces deux-là? Mais comment tu sais qu'un jour t'es en semaine A et que l'autre jour t'es en semaine B? Et on s'inscrit à la S, j'ai toujours rêvé de faire du tennis de table en compétition. Bah perso, je préfère le club d'échecs. Gadla, l'autre, elle va encore aller faire sa faillotte à l'intercours auprès du prof. Ça passe pas vite, ça fait qu'une heure qu'on est là, il reste encore 3 heures. Ouh, je pourrais avoir ta règle s'il te plaît? Et quand il faut se mettre par deux, on se met ensemble hein. Bah et Elodie? Oui bah Elodie, bah on nous demande jamais de nous mettre par trois hein. C'est chacun pour soi dans ces cas-là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi, t'as pas une feuille? Regarde lui, Lana, elle a même pas encore commencé qu'il dort déjà sur sa table. Oh, t'as pas un blanco? Ah non mais elle a pris trop dessin elle pendant les vacances, c'est ouf. En plus elle a trop changé de style. Alors lui, le jour de la rentrée, il nous donnait de voir, bah on aurait mieux fait rester en vacances, tiens. Ah non mais je suis dégoûtée, la Sarah elle est dans la classe de Paul. Mon Paul! J'ai trop peur qu'ils se mettent en couple, en plus la connaissant elle va forcer. Bon, je vais faire l'appel. Rachel Devossagne. Présente, ça se prononce Deva aussi. Morgan Dupuis. Morgan Dupuis, il est où? Présente, mais c'est Morgane Dupuis et je suis une fille. Coralie Dubois. T'es la sœur de Timothée? Ouais, sauf que moi, à l'inverse de lui, je suis pas l'intello de la classe. Alors ma chérie, c'était comment cette rentrée? Bah écoute, c'était bien, hein. Mais vivement les vacances. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vécu des scénettes un petit peu similaires à ce que je vous ai fait tout à l'heure. Enfin, aux scénettes que j'ai fait, quoi, que je vous ai fait tout à l'heure. Non, vous venez de les voir. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Je crois que c'est des vidéos que vous aimez bien maintenant. Avant, enfin genre l'année dernière, quand j'en faisais, c'était en mode vous en foutiez un petit peu. Et je crois que cette année, vous les aimez de plus en plus, donc je suis contente. Donc je suis contente, c'est cool parce que j'adore faire ces vidéos-là. Donc je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente rentrée, je vous souhaite de vous faire plein d'amis. Je vous souhaite d'avoir des bons profs, un super emploi du temps et voilà, et ouais. Donc je vais m'en aller et on va se retrouver sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine, sur la chaîne de vlog parce qu'en ce moment je suis de plus en plus active sur cette chaîne parce que j'aime beaucoup en fait me retrouver vraiment en face de vous en tant que Charlène et pas en tant que shake-up en fait, enfin voilà quoi, en vous montrant des moments de ma vie. Et voilà, plein d'énormes bisous en tout cas, plein d'énormes bisous, salut.
Plein d'énormes bisous et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, bye bye, salut, à plus. Trop chiant les gens qui faisaient ça, putain. Genre, elle se retrouvait tout seule avec son livre et toi, t'es obligé de te sacrifier et être sur deux là. Oh, je déteste ça. C'est bon. Elle est pas pleine, moi, là. Non. Je vais aller me recoucher. Au calme. C'est pour te punir que tu restes là.